Rebonsoir de nouveau sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct et bienvenue dans votre émission. Il est minuit. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ton peuple. Merci pour la vérité qui nous a franchis, la lumière qui nous éclaire. Seigneur, nous te bénissons au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu de gloire. Amen. Nous allons prendre un passage et on va certainement répondre aussi à quelques coups de fil, là, voilà, quelques questions que les gens posent en appelant. Nous sommes dans Matthieu 28, verset 19. Le Seigneur dit: Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Ou jusqu'à l'achèvement de l'âge. Voilà. Donc, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. Voilà, mes amis, ce que le Seigneur nous a dit. Allez donc. Le verbe ici est au présent continu, bien sûr. C'est. Il n'y a pas de, comme vous le savez dans le grec biblique, il n'y a ni passé, ni futur, il n'y a que le présent continue. Donc en fait, nous sommes en permanence en mission, nous sommes en mission en permanence. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre. Et quelle est notre, bien sûr, mission? Et c'est de faire de toutes les nations des disciples. Bien sûr, les disciples du Seigneur, et les baptiser en son nom, hein, Fils, Père, Fils et Saint-Esprit, et aussi de leur apporter un enseignement, les enseigner à garder tout ce que le Seigneur nous a ordonné, et non tout ce que les hommes nous ont ordonné, mais tout ce que Dieu nous a ordonné, et non les traditions d'hommes, mais la parole du Seigneur. Et bien, cette mission concerne également, bien sûr, les femmes qui aiment le Seigneur, qui le craignent. Voilà. Donc, nous avons notamment ce soir deux sœurs qui ont eu à cœur de partir en Chine, le Seigneur leur a mis ça à cœur. Et vous avez été nombreux à les soutenir financièrement. Et c'est pour cela que nous avons cette obligation de vous rendre aussi des comptes. Voilà. Donc, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes revenu de la Chine? Oui, il y a 2 semaines déjà. Il y a 2 semaines. Alors, comment ça s'est passé? Le Seigneur s'est encore glorifié. Il nous a vraiment accompagnés, précédés là-bas. Mmh. On a été vraiment très surpris de rencontrer un peuple qui aime le Seigneur. Mmh. Qui persévère malgré les problèmes qu'ils peuvent avoir. Mmh. Voilà, c'est pas libre comme en France. Mmh. Et le Seigneur a permis qu'on évangélise beaucoup dans les transports en commun. En quelle langue? Alors en fait, nous on parlait en français et Céleste traduisait. D'accord. On chantait beaucoup de chansons en chinois. D'accord. On a traduit grâce wow. à... Par la grâce de Dieu, grâce à notre sœur aussi. Et les gens étaient assez réceptifs, tout ça assez, Oui, alors le Seigneur a permis qu'on baptise une sœur. Ouais. Et il y a des personnes aussi qui ont été touchées. Il y a beaucoup de... Donc vous avez baptisé une chinoise? C'est ça. Ils étaient assez réceptifs, tout là. Ah, gloire à Dieu. C'est ça. Bon, ils étaient surpris quand même parce que c'est pas commun, en fait, de parler comme ça dans les transports en commun. Bon, Vous criez? Voilà, c'est ça. Ah, avec, oui, avec un micro. Ah ouais. Est-ce que vous avez l'image de ça là? Vous n'avez pas filmé ça là? Non, on n'a pas filmé. Donc vous rentrez dans un train et avec un micro, voilà. Et vous vous mettiez à crier, à tout prêcher, fait. Et Céleste qui est notre sœur, hein, qui est chinoise, donc elle traduisait. Tout à fait. Waouh. Ouais, selon ce que le Seigneur nous inspirait, et on s'est même fait arrêter par la police. Waouh. Ouais, par la police ferroviaire, parce que bon, les gens se sont plaints à un moment donné. Mais le Seigneur nous a gardés. Après notre sœur Céleste, elle a encore prêché aux policiers. Waouh. Ouais. C'était quelque chose et on a eu comme des bons témoignages pour nous encourager. Ouais, ouais. Oui, effectivement, en fait, c'est vrai que le Seigneur, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné la joie, mmh. beaucoup de joie. Et du coup, en fait, simplement, il y a eu les moments où on pouvait chanter, etc., avec ce micro, mais aussi, il y avait plein d'autres moments où simplement, on était dans la rue, mais on chantait parce qu'on avait la joie, et des fois en français, etc., enfin, peu importe. Et à un moment, il y a un monsieur, il était assez tard, en fait, je sais même plus, on revenait, on chantait, et puis il y a 2 hommes qui nous ont applaudi comme ça, et puis le monsieur était habillé en tenue militaire, en fait. Et puis finalement, Céleste s'est arrêtée, lui a parlé de Jésus, et le monsieur, ben là, il était en service, mais il a dit, ben moi, je vais donner mon cœur au Seigneur. Un militaire. Un militaire. Un militaire chinois. Un militaire chinois qui a dit, ben voilà, moi, je vais donner mon cœur. Donc vraiment, les autorités aussi étaient touchées. On est resté longtemps, peut-être une demi-heure au moins, à parler avec lui. Il était touché, on a prié avec lui. Gloire à Dieu.
Et voilà, et c'est vrai qu'il y a eu plein de choses aussi pour le baptême. En fait, le Seigneur nous a montré la vision. Il a fait comme on est un appartement avec une piscine en bas. Et en fait, on ne comprenait pas pourquoi il y avait une piscine au bas de l'immeuble. Et le Seigneur nous a donné une vision, en fait, que c'était là et que c'est, et la jeune fille, en fait, qui venait de donner son cœur une semaine avant, devait vraiment être baptisée là. Et on s'est retrouvé un moment à partager la parole avec deux autres sœurs. Effectivement, la première question, c'était de dire, bon, bah voilà, elle a donné son cœur au Seigneur, elle veut suivre le Seigneur, elle veut s'engager, elle veut être baptisée. Puis il y a une personne qui a dit, oui, mais on n'est pas pasteur, il n'y a pas de pasteur là. Et en fait, le Seigneur nous avait donné l'enseignement avant qu'elles arrivent, et du coup, enfin, elle nous a donné des passages. En fait, on a commencé à ouvrir la Bible, et en fait, tout s'est fait, mais tellement naturellement, et en fait, les passages se sont enchaînés. Il n'y avait même pas besoin forcément d'expliquer. Elles ont dit, ok, c'est bon. Ok, on a pris après dans Pierre, on a dit qu'on était la prêtrise royale, c'était nous, Amen. Le sacerdoce royal, et qu'on avait cette autorité, et qu'on pouvait baptiser, si la sœur, elle suivait le Seigneur, qu'elle craignait le Seigneur, et qu'elle voulait, on pouvait aller, et en fait, c'était merveilleux, on a payé nos places de piscine, on est rentré habillés, les gens ne comprenaient pas, wow. Et en fait, tous les gens se sont arrêtés, quand on a voulu descendre, les maîtres nageurs sont arrivés en disant, non, vous ne pouvez pas venir, vous n'êtes pas en maillot, tout ça, on a dit, mais... Deux minutes. On est juste descendu. On lui a demandé si elle acceptait le Seigneur, si elle croyait qu'il était mort pour elle et ressuscité, tout ça, si elle voulait suivre le Seigneur. Elle a dit oui. Et puis, pof, elle a été baptisée. Les gens étaient choqués. On est sortis, on a béni Dieu, on a continué. Voilà. Ben voilà, c'est ça le royaume. Voilà. C'est ça le royaume, mes amis. Et vraiment, l'œuvre se fait. Vraiment, notre sœur Céleste Seigneur lui a donné vraiment un appel fort, vraiment. Céleste, notre sœur. Voilà, notre sœur, c'est ça. Chinoise, ouais. Elle a déjà commencé à traduire la BD sur les traces de Yehoshua en chinois. Wow. Ouais. Donc, elle a vraiment à cœur voilà, les traductions de livres et... Enfin voilà, l'œuvre se fait, on est vraiment encouragés et elle continue à prêcher, à avoir ce zèle. D'accord. Voilà. Et dites-nous, par rapport aux frères et sœurs qui ont soutenu, combien avez-vous reçu en argent pour cette mission? Alors, on a reçu 1330 euros, c'est ça? D'accord, 1330 euros. On a reçu aussi un don en plus pour l'impression, en fait, du livre Église influente ou influencée. En chinois? En chinois. D'accord. Le Seigneur a permis, en fait, qu'on rencontre une sœur. Son témoignage nous a vraiment beaucoup touché. C'est une sœur américaine qui a tout quitté aux États-Unis, en fait, pour créer une école pour enfants handicapés en Chine. Waouh! Ouais. Elle a recueilli aussi des orphelins donc handicapés, et elle fait le travail pour le Seigneur là-bas dans la discrétion, dans les coulisses. Et elle nous a vraiment beaucoup touchés, du coup on lui a donné un don de 400 euros, c'est bien. L'argent des frères et sœurs, vraiment vous remercier pour ça. C'est bien. Et on a aussi soutenu notre sœur Céleste pour l'évangélisation, pour qu'elle puisse acheter des Bibles aussi, parce qu'elle a vraiment cette grâce de prêcher, les gens sont touchés, mais il n'y a pas forcément de suivi derrière, d'accord. Donc comme ça... En fait, à un moment, en fait, on marchait dans la rue, il y avait une dame, on est passé, elle était SDF, en fait. Et à un moment, on lui parle et simplement, on lui dit, voilà, qu'on est chrétienne. Elle nous dit qu'elle aussi, qu'elle aime Jésus. Et en fait, on voit ses chaussures, on voit qu'elle a plein de trous, tout ça. Et on lui dit, en quoi, en fait, on peut t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? On lui dit, t'acheter des chaussures, faire quelque chose. Et là, elle nous a dit... En fait, ce que je voudrais, c'est une petite radio qui diffuse de la louange et la Bible, parce que je suis analphabète et en fait, je peux pas lire la Bible. On a été choqués parce qu'on s'est dit, mais c'est pas possible. Elle a pas de chaussures et en fait, la seule chose qu'elle veut, c'est pouvoir entendre des louanges pour le Seigneur, wow. Et la Bible, parce qu'elle est analphabète et qu'elle peut pas lire. Et ensuite, on lui a dit, mais ok. Et après, elle a dit qu'elle était aussi malade. On a prié pour elle, wow. Pour justement qu'elle puisse être guérie de ses maladies. Mais ça nous a vraiment touchés. Et du coup, on a donné 200 euros pour tout ce qui était pouvoir acheter comme ça des petites radios à Céleste, pour qu'elle puisse acheter aussi des Bibles et puis tout autre matériel qui serait bon pour l'évangélisation. Gloire à Dieu. En tout cas, on va se mobiliser, frères et sœurs, comme vous le savez. Déjà dans la prière, dans nos prières pour l'œuvre qui se fait en Chine. Céleste est une sœur chinoise. Vous allez voir rapidement son image. Donc, on va diffuser rapidement... sa vidéo, hein, donc son extrait là, voilà, et après on va reprendre, on va revenir sur l'émission. Voilà. Bonjour,
tous les frères et les sœurs de la France. Je suis ici en Chine. Je suis là pour vous dire merci beaucoup à tout ce que tu as fait, que toutes vos prières et l'argent pour l'évangélisation en Chine. Et merci pour l'amour du Seigneur Jésus qui est à travers vous pour nous a donné. Et c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment sa présence de le même corps et le même cœur pour le royaume de Dieu. Et vraiment, je sais qu'en Seigneur Jésus, il n'a pas de barrière. En Seigneur Jésus-Christ, on a le même Seigneur, on a le même chef. Et Seigneur Jésus contrôle tout. Et au nom tout puissant de Seigneur Jésus-Christ, aussi je vous bénis. Bénis vous tous et bénis vos familles. Que Seigneur vous rende sans trible. Je ne sais pas comment dire le mot français. Sans trible. Que Seigneur vous bénisse davantage. En fait, je sais en fait la plus bonne bénédiction. Alors, c'est Seigneur Jésus lui-même et que vous avez déjà reçu. Et vous devez être fier. Vous devez être reconnaissant et joyeux parce que Seigneur Jésus est vraiment merveilleux, magnifique. Je suis ici en Chine. Seigneur est avec moi chaque jour. Mais quand je me suis réveillée, je peux sentir son amour et sa présence. Et lui, il est avec moi. Quand je rentre et quand je sors, je l'ai loué. Quand je louais, même dans mon travail, il y a la joie et il n'y a pas de fatigue. Aussi, je voudrais vous encourager, c'est que par la présence et la puissance du Seigneur, depuis que je suis retournée en Chine, il y a beaucoup de gens, une vingtaine, trentaine, quand ils ont entendu mes témoignages, quand ils ont entendu le Dieu qu'on a cru est si merveilleux et si puissant, ils ont donné leur cœur à Seigneur. Et vraiment, c'est Seigneur a fait, c'est Seigneur est avec moi. Je suis vraiment honorée et reconnaissante. Et je sais que Seigneur encore verra de grandes choses en Chine. Aussi travers votre prière, votre soutenance. Merci tous les frères et sœurs en France. Et je représente tous les frères et sœurs de la Chine pour vous remercier. Et que Seigneur vous bénisse. Si, oui, pour l'argent que j'ai reçu pour le royaume de Dieu, j'ai reçu travers les mains de mes sœurs Laurie et Nadia, c'est 200 euros pour l'évangélisation et aussi 710 euros pour le livre que j'ai traduit, la Bible de notre cher frère Shoham. La Bible. Le livre, Église. Ça s'appelle Église, Influence et Influence. C'est, je suis vraiment désolée dès qu'il a été traduit et jusqu'à maintenant je n'ai pas vu l'imprimer. Et c'est vraiment merci à vous et merci à mes sœurs qui sont venues pour que cette œuvre puisse avancer pour que le royaume de du Seigneur puisse avancer en Chine. Vraiment, je suis reconnaissante que c'est Seigneur Jésus a envoyé
mes chères sœurs Laurie et Nadia pour m'encourager. Quand elles sont avec moi, j'ai eu plus d'audace de prêcher, de parler de la merveille de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans ces petites journées qu'il y a des frères et sœurs, de nouvelles personnes ont reçu Jésus, et aussi on a témoigné le baptême de notre sœur. Tout ça, je sais que mes chères sœurs Honoré et Nadia vont vous raconter dans les détails. Et vraiment, Seigneur, merveilleux Seigneur avec moi. Et aussi, je voudrais parler un peu plus, c'est de la mission, que c'est de voyager. Nori et Nadia, vraiment, c'est pas pour voyager, c'est pas pour visiter. Toutes les journées, nous sommes remplis. En fait, vraiment, c'est dans le plan de Dieu. On visite des frères et sœurs, on partageait la parole, on s'est engagé, on priait. Et aussi, c'est là que Laurie et Nadia va vous raconter. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Aussi, je sais que toute la gloire et grâce doit rendue à Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui, et la tête, c'est lui, et le chef, c'est l'amour et la puissance, tous sont venus de lui, Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. À bientôt. À vous. Je vous salue tous et je vous rendre un bisou. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Quel puissant témoignage, mes amis. L'œuvre du Seigneur se fait, comme vous le savez. Et le Seigneur se sert des gens, voilà, qui ne sont pas forcément connus et reconnus par les hommes. Des frères et sœurs qui travaillent dans la simplicité, voilà, qui ont eu à cœur d'aller en Chine. Et puis bon, ben, vous avez été nombreux à soutenir. Nous avons dû vous dire d'arrêter carrément d'envoyer les dons par rapport à cette mission, parce que les sœurs avaient suffisamment de quoi pour aider là-bas. Et comme vous avez appris, hein, comme Céleste vient de le dire, donc elle a traduit un de mes livres, Église influente ou influencée, en chinois. Elle a traduit deux, carrément. Elle a traduit Église influente et influencée. Elle a traduit Entre les mains du potier. Ah bon ? Mais pour l'instant, on était parti vraiment sur Église influente et influencée, ce qui est à cœur. D'accord. De maintenant l'imprimer. D'accord. Et de pouvoir les distribuer. Mais ça serait bien si elle peut nous envoyer la copie de. Un PDF. Voilà, oui. Un PDF de. Ou même en Word. Pour, voilà, parce qu'on a déjà le PDF de l'Église influente et influencée, mais par contre, Entre les mains du potier, on ne l'a pas. On va lui dire. Donc ça serait bien. Mmh. Et effectivement, on va. Soutenir dans la prière et puis financièrement, matériellement, cette œuvre, hein, donc en Chine. Et comme vous le savez, frères et sœurs, et je pense que David, notre frère qui s'occupe bien sûr de la trésorerie de TV de vie, et vous fait de temps à autre un compte rendu sur les achats qui sont n'est-ce pas qui sont faits et concernant TV de vie, Radio de vie. Et aussi d'autres missions. Je pense que bientôt il va vous faire un compte rendu pour vous montrer, pour vous dire comment l'équipe s'organise pour aider les uns et les autres. Voilà, donc que le Seigneur soit béni. Et comme vous le savez aussi, nous travaillons à plein temps dans cette œuvre. Et déjà en ce qui me concerne, et beaucoup de frères et sœurs travaillent dans le monde bien sûr, mais ils font du bénévolat comme moi, donc on n'a aucun salaire. Et nous sommes engagés à servir le Seigneur comme ça, pour que la vérité soit proclamée dans les nations. Donc que le Seigneur soit béni en tout cas, et merci pour votre obéissance, hein, au Seigneur. Et voilà. Et est-ce que vous avez un mot de la fin pour... Je pense qu'en tout cas, ce qu'on a vraiment vu par rapport à cette œuvre, ce que le Seigneur nous a donné, nous a laissé vraiment comme enseignement, c'est qu'il y a vraiment un corps. Que ce corps est... En fait, il n'y a pas de frontière pour le Seigneur, et qu'on peut se retrouver à n'importe quel endroit sans avoir planifié quoi que ce soit. Le Seigneur conduit toutes choses. Il sait qui on doit rencontrer, qui on peut soutenir, comment on peut le faire. Il est au contrôle. Et que même si aujourd'hui, le Seigneur, nous le croyons, revient très bientôt,
on voit les œuvres du diable, mais on voit aussi les belles œuvres de Dieu et on bénit son nom. Amen.